J'ai pourtant essayé de vous prévenir. Cortana a échappé à notre contrôle, capitaine. Elle est dangereuse. Elle a accès au domaine Forerunner, un réseau d'une taille galactique. Cortana est en vie. Qui lui permet de contrôler les dispositifs qui ont fait tant de dégâts. Mais comment est-ce... Le Major pense qu'elle a essayé de le contacter. Quoi? Non. John ne doit pas lui parler. Et il est parti à sa recherche. Et vous l'avez laissé faire. Mais comment est-ce que... Le Major que... ne reçoit d'ordre de personne. Il n'en fait qu'à sa tête. Jusqu'à 6h31 ce matin, quand on l'a déclaré absent sans permission. La question, ce n'est pas le Major. John n'est pas psychologiquement préparé à la considérer comme une menace. Hé hey! Y en a un qui va m'écouter? Vous exagérez, Roland. Oui, monsieur. Mais je ne suis pas le seul. Vous avez créé Cortana, Doc. Et vous signez son arrêt de mort avec ses accusations. Roland. Vous croyez qu'elle a poussé le Major à abandonner son poste? Et qu'aurait-elle à y gagner? Pourquoi est-ce Cortana le problème? Parce qu'elle a refusé de mourir alors qu'elle aurait dû? T'approuves cette opération? C'est pas une cible ordinaire. Je me contente de suivre les ordres qu'on me donne, Beck. Ouais. Parle pour toi. J'adore le boulot d'ASCO. Droit au but, magouille. Moi, ça m'écœure. Et comment on est censé les mater? En demandant avec politesse? Non. C'est quoi? Un saboteur d'armure. Un court-circuit et le tour est joué. Locke. Les autres Spartans. Tous les soldats, quand ils vont apprendre ça, ils vont nous haïr. T'en as conscience? Tu n'es pas le seul à être ici à cause de lui. Cette planète en 48, c'était une colonie de l'UNSC à l'époque. Aujourd'hui, elle est aux mains d'une entreprise privée. Ils la dévitrifient peu à peu pour la rendre habitable. Pourquoi fait-on un tel détour? Question de politesse. J'ai grandi sur une colonie indépendante comme Meridian. Les gens n'aiment pas que l'UNSC atterrisse en pleine ville. Ils voient ça comme un acte d'agression. En parlant d'acte d'agression... Là, des vaisseaux Forerunner. Mais qu'est-ce que les Forerunners font ici? On n'est peut-être pas les seuls à être ici pour chercher le Major. Vous, dans l'ascenseur, qui que vous soyez, identifiez-vous immédiatement. Ici le Spartan Jameson Locke, de l'UNSC. Vous n'êtes qu'une bande de soudards. À qui ai-je l'honneur? Ici le gouverneur Sloan, et vous pouvez aller vous. Il n'a pas l'air ravi de me voir. Tant pis, il devra s'y faire. Des Spartans? Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Qu'est-ce qui se passe? La station Meridian est assiégée. Sloan essaie d'organiser les défenses, mais... j'ai de la famille là-bas. Ils ne sont pas armés. Osiris, les habitants de Meridian ont besoin de nous. C'est quoi ces choses? Quelqu'un a des nouvelles de la station? Tout le monde reste calme. Le gouverneur... La station... Entre l'ascenseur au rapport. Gouverneur, on a un problème. Les tourelles sont... Contrôle de Meridian, ouvrez-nous les portes de l'ascenseur orbital immédiatement. Ouvrez les portes et on vous aidera. Bon sang, Kyle, réagis! Ok, c'est parti! On sortira jamais.
Doit y avoir un moyen de couper le système de sécurité. Ouais, on élimine la menace et finit le bouclage. Aux armes, braves concitoyens américains. Battez-vous et défendez votre planète contre les agresseurs. Contrôle de l'ascenseur. Activez-moi ces tourelles automatisées. On essaie, gouverneur. La porte de la tour est bloquée. Des tourelles automatisées? Ça pourrait être utile. Chevalier commandant débarque avec les renforts. Sur leur flanc. Remerciez plutôt vos hommes. Les portes sont ouvertes. Cette route mène à la station Méridiane. Touché. Je tire.
qu'on fait? Vous devez absolument les empêcher d'atteindre la ville. Gouverneur, si vous ouvrez le pont, Osiris pourra aider la station Méridiane. Si je vous laisse passer, ces monstres vont vous suivre. Pas question. Si vous voulez nous aider, alors nettoyez-moi ce pont. Tout ce qu'on raconte au sujet des Spartans. Très bien, écoutez-moi. On a besoin de vous de l'autre côté du pont, en direction de la ville. Bien reçu, monsieur. D'accord, je vous ouvre. Spartan, mes hommes ont besoin d'aide au garage. Et il se pourrait bien qu'ils aient un scorpion à votre disposition là-bas. Ils ont un tank. On se demande bien pourquoi. C'est un cadeau empoisonné. Ils en feront un meilleur usage que toi.
On a un chevalier devant. Tout le monde a ses boucliers ? Mets les casques. Le chevalier a un répercuteur. Attention aux balles perdues. Ouvrir les portes. S'est écarté. Et merde, les voilà. Le Warthog est prêt. Foncez dans le tas. Fais gaffe, je suis avec toi. On est dans le même camp. Ils sont prêts, le Warthog. Let's go.
paraît que vous avez réussi. J'aurais jamais cru que je remercierais un jour l'UNSC, mais je vous dois une fière chandelle, Spartan. Allez, entrez. Gouverneur Sloan, j'aurais aimé pouvoir vous parler. Venez en ville, nous parlerons. J'espère pour vous que vous saurez vous tenir. On sera bientôt là. Tanaka, à quel genre d'accueil on peut s'attendre par ici? Dans une colonie frontière comme celle-ci, ils vont nous jeter des cailloux. La meilleure solution est encore de faire profil bas. C'est ça le gouverneur Sloan. Mais d'ici là, je veux que vous les traitiez comme des employés de Landormund. Toute malveillance à leur égard sera sanctionnée. Est-ce que c'est compris? Ça ne va pas avoir bon goût de lécher les bottes de l'UNSC. C'est une IA. Elle a pas l'air en forme. Elle est cassée? Elle présente les premiers signes de la frénésie. À ce stade avancé, elle donne sans doute priorité à ses cycles logiques. Je vous accueille chez moi. La moindre des politesses de votre part serait de ne pas discuter de mon état, vous ne pensez pas? Bien sûr, gouverneur. Toutes mes excuses. Nous cherchons une autre équipe d'intervention spartane. Pourquoi tant de Spartans ici? Et pourquoi maintenant? J'ignore si d'autres agents de l'UNSC sont parmi nous en ce moment, mais vous avez aidé mon peuple jusqu'ici. Faites vos recherches, mais rapidement. Gouverneur Sloan, terminé. Alors par où on commence? Dans ce genre d'endroit, les meilleurs renseignements s'obtiennent auprès des habitants. Écoutez les colons. Ed, il s'est passé quoi à la tour de com? On recevait une transmission, un signal de détresse. Mais après, un incendie a ravagé la tour et... Ok, Ed, du calme. Les antalgiques vont bientôt faire effet. Les gars hurlaient que... des trucs sortaient des grottes. Et puis on a entendu crier, et puis... plus rien. Tu as entendu autre chose? D'autres transmissions? Non, rien d'autre. Le signal s'est interrompu. On pouvait plus émettre. La fumée était partout. Tout va bien. Le gouverneur Sloan va s'occuper de tout. Nous pouvons peut-être vous aider. D'où provenait cette transmission? J'y crois pas. L'UNSC daigne s'intéresser à nos problèmes. Vous savez quoi? Nos soldats d'Apogée sont bien assez forts. N'imaginez pas que vous allez ramasser les miettes, sale vautour. Qu'est-ce qu'il a dit? Apogée? Voilà notre destination. Tu étais avec quelqu'un à l'avant-poste? Non, j'ai entendu qu'on nous attaquait ici. Alors j'ai pris une mongoose. Au moment de partir, j'ai vu ce vaisseau aller dans l'autre direction, en rasemote. Il allait où? Vers la station. Et il avait l'air très pressé. À ton avis, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Rien de bon. Je me suis dit qu'il valait mieux prévenir Sloan. Du calme, Carter. J'irai parler au gouverneur pour voir ce qu'il veut faire. On va trouver la solution.
Vous avez vu un vaisseau? Il était reconnaissable? Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'UNSC? C'est pas mon problème si vos potes vous ont pas dit où ils se sont garés. Faudrait voir à synchroniser vos zones de largage, les gars. Vous avez entendu? C'était peut-être un vaisseau de l'UNSC. Récapitulons. Apogée est attaqué et un vaisseau de l'UNSC se rend là-bas. Trouvons un terminal réseau. Je veux en savoir plus sur la station Apogée. L'Artemis devrait pouvoir localiser un terminal réseau. Consulte-le. Ouais, on verra ça à un moment. Accès au terminal. Je ne crois pas vous avoir autorisé à fouiner partout. Vos colons ont vu un vaisseau de l'UNSC près de la station Apogée. L'UNSC dans Apogée? Qu'est-ce que vous fichez partout sur ma planète? C'est bien la question que nous voulons leur poser, si vous y consentez. Il y a un pélican de fret sur l'aire d'atterrissage de cette station. C'est le moyen le plus rapide de rejoindre Apogée. Nous n'oublierons pas votre aide. J'espère bien. On monte sur le pélican. Appréciable, c'est beau, c'est épuré. C'est vraiment